C'est Jixon Chicha, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous tester les foyers russes RV Balls. Alors, c'est des foyers qui nous viennent de Russie, qui sont fabriqués en Russie avec des matériaux russes. Ils sont fabriqués avec de la faïence et de la céramique. Au niveau de la qualité, on est sur une très bonne qualité, très bien fait, aucun défaut apparent. La peinture est de très bonne facture. Quand on gratte, parce qu'on a l'habitude de gratter le foyer à chaque session pour enlever le tabac brûlé, la peinture ne bouge pas, ce qui arrive sur certains autres foyers, ils sont très bien faits. Par exemple sur celui-ci, j'ai le Rocket, on est sur du 13-17 grammes de tabac, du coup on est sur un temps de session qui est de 45 à 50 minutes, on est sur un très bon temps de session. Comme vous pouvez le voir, là il est noir avec un dégradé bleu nuit, très joli, il existe avec plusieurs coloris. Point positif de ce foyer là, le prix qui est d'un très bon prix, on est sur 20$, ça fait à peu près 17 euros en France. Alors ça va au niveau des foyers, on est sur un très bon foyer à bon prix. Petit point négatif que je pourrais rajouter par contre, c'est juste ici comme vous pouvez voir, on a sur une couleur blanche à la fin. J'aurais préféré qu'il rajoute, qu'il continue le dégradé bleu, par exemple pour ce foyer là, et qu'il finisse bleu en dessous. Pas à l'intérieur que ce soit glissé avec le joint, mais juste en dessous, comme ça, ça aurait continué la couleur. Bon, après, décompose le foyer, ça se voit pas. C'est juste un petit point à rajouter de ma part, c'est juste mon avis personnel. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le Rocket. Alors, la spécificité de ce foyer-là, c'est qu'on a un foyer profond, mais au niveau du diamètre, on est sur un diamètre beaucoup moins large que par exemple celui-ci qui est le UFO. Celui-ci, il a un diamètre beaucoup plus grand, mais très peu profond. Les deux s'adaptent parfaitement au caloutchouc, que ce soit le UFO ici, que je vous mets une photo ici, ou le Rocket. Alors du coup, on pourrait fumer sur aluminium ou sur caloutchouc, bien sûr. Et le temps de session, c'est à peu près le même. Au niveau de ce foyer-là, on n'a pas un funnel ou un vortex basique, mais ça ressemble à un funnel avec, on dirait une croix au milieu. Je mets une photo ici pour vous décrire la chose. On dirait des petites rainures. Voilà, alors ça change de d'habitude et ça offre un meilleur airflow. Alors au niveau du tirage, comme vous pouvez le voir, c'est très fluide et ça fume très très bien. Alors au niveau de ces rainures là, c'est parfait, ça change et c'est plutôt agréable au niveau esthétique. Enfin, plutôt, moi j'aime bien, c'est vraiment joli, c'est assez stylé, ça change. Alors, pour parler de celui-ci, comme je vous l'ai dit, il est moins profond, mais au niveau du diamètre, il est beaucoup plus large. Le caloutchouc s'adapte aussi parfaitement. Sur le UFO, on est sur du 17 grammes, 21 grammes de tabac. Alors, le temps de session est de 1h, 1h10. Alors, des temps de session aussi très corrects. Au niveau de ces foyers-là, faudra adapter une très bonne chauffe
par rapport au foyer qu'on aura choisi. Par exemple, le Rocket, faudra adapter 3 ou 2 charbons par rapport à la sensation de fumée qu'on préfère, fort ou beaucoup plus doux, 3 charbons ou 2. Pour le UFO, pareil, 3 ou 4 charbons. Par exemple, moi je préfère une sensation de fumée beaucoup plus forte, par exemple le Brood. C'est pour ça que j'ai mis 4 charbons. Après, à vous de choisir par rapport à votre sensation de fumée. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez déjà. Ces foyers-là sont disponibles seulement pour l'instant sur le site officiel de Hervé Ball en Russie. Or du coup, c'est de la livraison internationale, durée de livraison d'une semaine. Ça reste correct pour de l'international. Très bien emballé dans du papier à bulles, dans un carton. Rien à dire, moi j'ai aucune casse au niveau de ma commande. Franchement, c'est top. J'espère qu'ils vont se les procurer en France. Ça serait top aussi parce que franchement, ça ferait découvrir une marque de foyer russe, étrangère. Ça serait vraiment pas mal. En tout cas, ils sont vraiment top. Aussi, ce qu'ils font, cette marque-là, c'est qu'ils font des foyers personnalisés qui existent déjà. Je vous mets des photos ici avec la marque de foot qu'on aime, par exemple. J'ai vu qu'il y avait FC Barcelone, Real de Madrid, Manchester, Milan AC et bien d'autres. Alors ça, c'est vraiment top pour les footeux, pour avoir par exemple un foyer personnalisé à son équipe préférée. C'est plutôt sympa. Après, j'espère qu'ils vont peut-être améliorer cela et peut-être offrir, je veux leur en parler, une personnalisation au niveau des foyers. Par exemple, si on veut mettre un nom, un logo, de je sais pas, de ce qu'on veut. Par exemple, ce que faisait la INSAR, on pouvait mettre ce qu'on voulait. Par exemple, moi, je sais pas, leur demander de mettre par exemple mon logo sur le foyer. Ça serait vraiment top, avoir son foyer, son propre foyer. Ça serait super sympa. Je vais leur en parler, voir. Et pour l'instant, c'est disponible avec des logos d'équipes de foot. C'est déjà un très bon début. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ces foyers Hervé Ball. Si vous voulez les retrouver, les liens sont dans la description du Facebook, du Instagram et du site de la marque. N'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, ça fera super plaisir. À vous abonner en dessous de la vidéo. On tire encore quelques lattes, on se retrouve à la prochaine. Allez, peace !